Ayo, Saji! Comment ça va? On se retrouve pour la suite de notre aventure sur Boisers Fury. On a débloqué une nouvelle zone, donc on va pouvoir y accéder. Étant donné qu'on a strictement rien fait là-haut, on n'a même pas découvert les lieux. On va aller voir un petit peu ça. Sachant qu'il y a pas mal d'îlots aussi, peut-être pas mal d'astres à récupérer. Retourner sur les anciennes îles, puisqu'on n'a pas tout fini. Par exemple, ici, il nous en manque un. Mais de toute façon, tout va se débloquer au fur et à mesure, et puis on y reviendra quand il faudra. Allez, Pessy! On y croit, ouais, par là-haut. Va falloir monter par cette grosse plateforme là-haut, parce que c'est au-dessus de la cascade. Sinon, ça va être compliqué d'y aller autrement. Ouais. On récupère tous ces anneaux. Avec le pognon. Je les ai tous défoncés. Les pauvres. Par ici. Aussi beau. La couleur de la lave et les effets. Stylé. On continue le chemin. Oh, attends, il y avait quelque chose là. Il y avait quelque chose. On va passer par cette rivière. Et sauter. Alors, on a une petite plateforme. Ok. Juste un combat de monstre? Juste un combat de monstre. Allez, prends ça. On va aller vite au moins. Pas besoin de s'en kikiner. Et enfin à toi. J'arrive. Fini? Fini ou pas fini? Alors merde, c'est un ennemi quelque part. Oui mais non. D'accord. Les bestioles qui donnent des pièces. Il était caché, attends, je me disais, oula, y a un problème ou quoi? Bon, ça va. Tout va bien. Quoi, mystère? Avec surprise, bah, c'était lui la surprise. Très jolie surprise. Hein. Des pièces en plus. Et on y retourne. Pas mal de pièces en plus hein, pour se faire des vies. Enfin des vies, des power-up du coup dans le jeu. Boing. Ça c'est les bestioles qu'on peut sauter dessus. Et si on les touche, pour dedans on rebondit. Ok. Ah là. Hop. Un truc avec une patoune de chat. Ouais, par contre c'est dans la matière noire. Est-ce que je vais pouvoir aller le chercher? Vas-y, prends la cloche. Parce que ça inflige des dégâts. Hein. Ouais, du coup, je peux pas me transformer comme ça. Prends le boomerang. Oui. Oh, il doit y avoir moyen quand même, peut-être avec Plessis en faisant un grand saut. Allons jusque là-haut. Ouais, bon. On y reviendra. On peut tenter des choses, mais pas exagérer non plus. Ah? Est-ce que j'ai raté un petit passage quelque part? En effet. Ouh. Boing. Et voilà, on m'en dit bien dessus. Comment j'ai fait ce saut? Je sais pas. J'ai brillé. Pour une fois qu'il brille. Ici. Wouhou! Allez, tu opères. On va prendre un boomerang. Boum. Et boum. Alors, il va falloir casser. Il y a un truc pour rebondir en dessous. Ouais. Et un nuage. Donc, un petit niveau bonus. Et une étoile. Youhou! Petit ralentissement. Saute là-dessus, s'il te plaît. Ah! Attends, mais. Ok. Bon, c'est pas grave, j'ai plus mon étoile, mais. Je peux les tuer comme ça. Hein. Il faut foncer, du coup. Pas se laisser aller. Voilà. Touk, 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 touk. Touk, 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 touk.
Poing. Et on a tout tué. Très bien. Je pensais que c'était des plateformes où on pouvait rester dessus sans avancer. Mais non, je pense que ce genre de niveau, tu cours et tu fais tes sauts s'il y a besoin. Mais par contre, oui, tu m'as donné un power-up, mais je vais laisser en haut. Parfait. Et on poursuit notre route avec cette merveilleuse musique. Salut les bestiaux. Ouvre. Bah, tu sais quoi? Boing. Boing. Ce combo. Eh, la route est longue. La route est longue. Ok, je pourrais continuer. On a ici aussi. Yep. Hop là. Le monde des chats. Giga cloche des rocs. Excellent. Quand on arrête de combat. J'ai vu les pots là-haut. Miaou. Point. Pourquoi ça tue personne? Casse-toi. La petite abeille aussi. Ouais, en fait, faut les laisser venir au niveau d'ici. Là, on peut les buter. Pas qu'ils bougent. Bon, faut le tuer lui. Hop là. Encore un pot au milieu. Et il reste plus que toi, le frère marteau. Mon pauvre Boiseur Junior. Il est méchant. Voilà, tu t'es vengé, c'est bien, mon gamin. Ah, Boiseur, j'avais besoin de lui. Mais étant donné qu'on l'a affronté, il va apparaître un peu moins. Comparé au précédent épisode où là. Par contre, c'est moins la vie. Plus bien. Et ça fonctionne aussi d'aller le taper en chat. Quand on est en. Quand on fait le duel gigantesque, on va le taper, ça lui enlève de la vie. Faut combien de copains? 5. Alors. C'est que des chats orange. Ceux-là ne sont pas bons. Toi! T'en cours pas. Viens avec moi. Pire des cas. Voilà. Pas les effrayer. Et là c'est triste. Si on lâche un bouton pour courir, bah après on va plus courir. Je viens de marcher, sinon le jeter. Non mais mais dégage-toi. Pour tout ça après. Tiens ton petit. Je vais essayer de trouver les autres. Les heures va arriver, en plus j'ai une giga cloche juste là. Ça c'est très bien, il doit y en avoir un peu plus loin. Là je vois rien derrière. Ouais. Il arrive. On sait. On va les récupérer. Juste après. Les cailloux là-haut. Tous ces chats vénères. Alors il est où? Par ici. Parfait. Et maintenant, on va récupérer le gros power up. Sois prêt pour le combat. Boiseur. C'est l'heure du fight. Bon, il m'a débloqué un tuyau. Peut-être on va pouvoir récupérer un astre là-haut. Maman chat, va falloir qu'on s'en occupe aussi. Encore 4 chatounets à récupérer. Alors, on vient par ici. On peut venir le chercher au pire. Oh bon. On va surtout jeter ceci. Ouh. Il y a un redu changement. Ah merde. Bah, excuse-moi, mais je prends ça juste à côté. Et on tape. Donc voilà, on lui retire un petit peu de vie. C'est pas fou. C'est pas fou. Limite, on a même pas besoin de faire ça. Il va jusqu'où? La vache.
Tiens. Vite, faut qu'on aille le taper. Est-ce que t'as laissé des cailloux quelque part? Non. Mais en tout cas, on l'a bien énervé. On va passer dessus. Qu'est-ce qu'il est maintenant? Waouh, waouh, waouh. La caméra a un petit peu du mal à tourner. Je pense qu'on peut le toucher aussi pendant qu'il tourne comme ça. Il y a sa partie de carapace qui est sensible. On va lui jeter que des rochers. Pour celui-là. Il va trop loin. Je suis obligé de lui courir après. Ça c'était beau. Hein. Et voilà. Tu es calmé. On passe à maintenant les cinématiques. On connaît très très bien. On n'a plus besoin de voir ça. Ah, ok. Il pleut déjà? On va le recombattre? Hop. Boing. Boing. Et... Ah bah oui déjà. Eh ben... Bah écoute. Je vais te casser. Je vais vouloir récupérer la trophée l'un avant. Faut pas le renvoyer chez lui. La fière de la bête, c'est trop renforcé, la lumière des astrophélins, ne suffit plus à le tenir. Ah! Ah bah voilà. C'est bon ça. Moi je vais pouvoir récupérer ça là-haut. Je peux courir comme ça. Il y avait des nuages. Plus rapide aussi. Et la cloche ne s'est pas activée. 50. Il en manque un. Ouf. Je vois rien, je vois rien, je vois rien, je vois rien. Il m'en manque un. Et bien vénère. Là-haut, je vois un astre. Ah, mais c'était sur le gros truc en caillasse. On a vu tout à l'heure. Yuki. Ombre de fureur. Ah, mon cher Luigi sombre. Parfait ça, c'est très bien. Contre lui. Pouf. Allez, roule. Roule ma poule. Attends, je prends ça. Tac. Le pout-pout. Là même peut-être mieux. C'est bon. C'est bon. Je peux ça me cacher. Ah oui, il est vraiment vénère de chez vénère. Il enchaîne. J'arrive pas à le garder. Aïe. Non, c'est pas ça, pas touché. Il est où? Il est là-haut. C'est touché, non c'est bon. Ça passe. Reprends ça. Je peux toucher d'ici. Ça va me faire chier. Enfin s'il veut bien. Oui c'est bon. Mais ça s'enchaîne là, ça s'enchaîne. Et au moins j'ai les 50. Donc il y a un morceau d'astre ici, un morceau d'astre là-haut. En bas. En bas il y a des cailloux. Yeah! La cloche, je vais pouvoir la réactiver. Mais il se calme pas? Il rentre pas chez lui au bercail? Pourquoi pas? Hein, petit niveau de difficulté supplémentaire. Hein. Je prends. Le temps rouge et tout. Énervé. Très énervé.
Émotion des blocs de fureur. Ah, j'ai les deux. On va remonter par là. Puis je vais peut-être aller le combattre tout de suite et récupérer les astres après. Parce que là, il va pas s'arrêter. Hein. C'est pas bien grave. J'ai du power up à gogo. Ça ne me fait rien. Bon, on y retourne, hein. Deuxième round. Peut-être qu'on va l'achever complètement cette fois-ci. Ça va, ça fait du changement au moins. Parce que de temps en temps, là, ça... Il y va, quoi. Il y va. Il a nos power-up, on les perd. Alors. Oh, ok, ça commence déjà mal. Ah mais si, je peux le prendre en Mario aussi. Ça va être franche. Ça. Et continue. Hihi. Sans aucun scrupule. Un point de vie. Tac. Saute dessus. On connaît qui fait les ondes. Alors peut-être que je garde ça. Voilà. J'ai même pas pris l'onde de choc alors qu'elle était sur moi. Avec le temps rouge, c'est énorme. Je crois qu'il a pas aimé. Pas très sûr, hein. Sur place ou remporté? Hein? À 50 astres. Ça devient normal. Les yeux blancs quand même. Oh. Oh oh. Il a l'air d'être content de lui. Est-ce qu'il m'a bloqué? Oh merde. Oh merde. Bon bah let's go hein. Faut sauter dessus, j'en sais rien. Le feu. Continue, on évite ça. Stylé, c'est vraiment stylé. Hé à moi. Et ça, on continue comme ça. Je sais pas pourquoi il a bloqué. Ces choses là, apparemment le feu n'a pas l'air de me toucher hein, au moment où il le fait. Faut juste que je prenne de la vitesse. Ce que je vois, c'est pas grave, c'est pas grave. On tient, c'est un petit peu trop tôt. Hop, ok. Esquive, esquive. Pa, 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 la, pa. Là, je vais le prendre. Non, c'est... Ouais, c'est ça, faut pas sauter. Oh merde, je suis raté. Ça, c'est bête. Blah. Tu peux nous donner un power-up, quoi. Ah non, ça me vient de vite. Si, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Pas rater son saut. Là, on va faire tout le petit tour. Fou. Je me suis donné qu'un champignon, je sais. Et hop là. Et nous deux. Donne-moi ça.
pour me faire toucher juste après. Cours, cours, cours. Voilà, là j'ai fait un beau jump. Je sais pas quel moment il le fait. C'est enchaînement de combat là. C'est dur. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Donne-moi ça. Tac. Ok. Eh ben, c'était excellent tout ça. Bobo le retour. Deux touches d'humour. Excellent. Bonjour Junior, merci d'avoir aidé. Bah du coup c'est la fin. Donc ouais, en gros à 50 astres, ben vous pouvez achever bah Bowser et puis le ramener comme il était avant. Hein. Mais bon, après ça continue puisque on peut faire le 100% du jeu. Là on a ramassé quelques astres, pas beaucoup, sur cette nouvelle île. Est-ce que vous êtes chaud pour qu'on se fasse le 100%? Parce que moi je peux continuer, hein. C'est pas un souci. Hein. Mais il y aura peut-être plus de Bowser à combattre. Ouais, ça reste à voir ça. Hein. Bon, en tout cas, on a les crédits de fin, voilà. Vous me direz par commentaire ce que vous pensez justement de cet ajout. On peut pas dire DLC à proprement parler, mais ouais, vraiment un ajout pour la version Switch de Super Mario 3D World. Très très sympatoche. Mais si on prend l'histoire en 1%, si on finit pas à 100%, ça va vite, ça va très vite. Hein. J'imagine en 2-3 heures, si on va vite, même en 2 heures, ça doit largement se faire, tranquillement. Mais faire... Ah, vas-y, Junior, c'est bon, t'es content, tu nous gueules plus dessus à faire des... Et pour le lâcher à 100%, ouais, ça va prendre un petit peu plus d'heures supplémentaires. Mais de toute façon, c'était à s'en douter que ça ne durerait pas très très longtemps. Alors, au niveau prix, moi par rapport au prix, je l'ai payé, c'est-à-dire environ 49 euros, 50 euros. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Pour ceux qui ont déjà eu le jeu sur Wii U, moi je dirais. C'est le prix est un petit peu trop cher. Mais en même temps, par rapport au public qui veulent toucher, pas forcément tous les joueurs ont eu la version Wii U. Donc vous découvrez avec la version Switch. Voilà, donc c'est très compliqué à voir. Très compliqué. Parce qu'en gros, il y a juste cette aventure-là qui est nouvelle. L'autre, c'est exactement la même chose. Sauf qu'on peut jouer en multijoueur en ligne.
Mais il serait temps aussi d'avoir des. Ouais, c'est ça, il y en a 100. Des serveurs, des vrais serveurs Nintendo. Parce qu'on paye online, mais bon, le P2P, ça suffit au bout d'un moment. Bon, on va reprendre tout de suite. On va voir où ça nous emmène. Quand même. Mais très sympa, Tosh, hein. Franchement, ce jeu fait extrêmement plaisir. Il est très très bon. J'ai parlé de mes Mario préférés. J'ai pas parlé d'ailleurs de Paper Mario, la porte millénaire, qui est aussi tout excellent. Tout aussi excellent. Ah mais si, il est encore là. Il est encore là. Mais du coup, ça sert plus à rien de le combattre. On a vu que sur l'île du début, apparemment le phare aussi était encore ancré. Ouais. Venez moi, on allait passer une chouette journée ensemble au bord de ce lac, mais il est devenu gigantesque et fou furieux. Je sais des marqueurs sur la carte là où il pourrait rester des astres félins cachés. Les trouver et ramener mon papounet à son état normal. Wouh! Il y a un truc tout en haut là-haut. Oh! L'axo de chat. Donc là, il y a des choses à récupérer. Et ça, c'est l'île du départ. Pourquoi ils ont pas mis des trucs par exemple pour se téléporter? Ça aurait été bien aussi, même si c'est assez court. En termes de zone. Là, il y aura quelque chose aussi. Ok. Bah limite, on peut aller récupérer celui-là. Sur l'île des pas de velours. C'était vraiment le truc au tout début. Sachant que je suis à côté. Tu vas faire service, alors je vais faire ce que je peux pour te faciliter la tâche. Tu te rends sur une autre île, pointe là juste sur la carte, appuie sur A. Ah bah voilà, ça a téléporté. Ah bah c'est parfait, du coup ils le font pas au début, ils le font après. Donc bah c'est très bien. C'est même mieux comme ça. C'est même mieux comme ça. Alors ça correspond. Salut toi. Donne-moi des pièces. Boum. Excellent. Oh puis une étoile. Qui me sert pas ici mais. Moi je prends. Oh, oh. Faut que je trouve des tonnes. Captain Toad. C'est bien ça, c'est bien. Non mais ouais, le jeu est très très bon. Hein. Vraiment très très bon. Hop. Alors je prends celui-là. Qui est le premier. Il faudrait Bowser vénère son retour. Même l'univers, l'environnement est génial. Et lui du coup il est en chat. Alors est-ce qu'il fait quelque chose de plus? Ou pas du tout? On dirait pas hein. C'est juste qu'il est en chat. Passage du graffiti. Bah! Wouhou! Tiens! Fais-moi ça! Maïsou! Bien sûr, c'est lui en premier plan. Ok. Donc deux. Mais j'ai vu vers l'avant. Ouais, il y avait ce truc. Je vais descendre par là. Puis par ici. C'est le quatrième sur les cinq. Donc j'ai dû en rater quelque part. Il y en a un juste ici. Donc, ça va être le dernier. Voilà, c'est le dernier. Donc les autres sont bien en arrière. Je ne sais pas trouver. Et il nous en manquera 3 ici. Donc ça, c'est une zone non. C'est vraiment la zone du début. On peut pas y retourner. Bah avant de l'avoir fini. Avoir fini, on va dire, le jeu avec les premiers crédits de fin. Qu'est-ce que c'est que là-haut? On verra. On verra lors du prochain épisode. Je préfère chercher mes petits astres ici. Oui. Là. Ce qui me manque et puis... On en finit avec cet épisode. Ah, c'était sûr qu'il y en avait un là-haut. C'était sûr. Tac, sans tomber. Parfait. C'est le deuxième. Donc l'autre doit être quelque part, peut-être au niveau du bateau. Si on regarde un peu les hauteurs, je ne vois rien. En tout cas, proche d'ici, c'est sûr. Et voilà. C'était là. Hop. Tout bêtement. Youhou. Et on a combien?
On est à 53. Donc vraiment, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez qu'on fasse le 100%. Ouais, ça on verra bien. En plus, il y a un truc bonus. Ouais, que Bowser s'éveille, la même chose. Et puis ce sera bon. Il y a vraiment une de ses dégaines dans Botcha, lui. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cet épisode et on se rendez-vous possiblement pour la suite de notre aventure sur Super Mario 3D World plus Bowser's Fury. Des bisous et à la prochaine. C'était H.